vous les filles qui passez tout votre temps à vendre votre fesse là. Parce que causer avec quelqu'un sur les réseaux, un jour, deux jours, et puis il t'envoie de l'argent. Et puis après, tu te dis que non, c'est ton âme sœur là. Ça là, c'est de la prostitution. Ok? C'est de la... Mais elle a échappé belle. Elle a échappé belle. Mais deuxième fois, je pense que ça ne va pas la rater. Venez prendre vos conseils ici. Venez prendre ce qu'elle a dit ici. Écoutez très bien là. Et vous allez en fonction de ça. Écoutez, ça m'énerve. Les filles, vigilance. Vigilance. J'ai dit, j'ai croisé monsieur sur TikTok. On a changé de contact. On causait de tout et de rien. En tout cas, il m'envoyait de l'argent. Quand il lui demandait de l'argent, il m'envoyait. Donc du coup, la confiance était née entre nous. C'est comme ça qu'il m'a dit de venir le voir. Où il travaille. C'est comme ça qu'il m'a dit que de venir le voir. Il a envoyé transport hier matin. Donc moi, c'est hier dans l'après-midi que j'ai pris le car. Donc je suis partie. Il est dans un village, on appelle Gueyo. En Côte d'Ivoire. C'est un village vers Daloa là-bas. Vers Gueyo plutôt. Donc, je suis arrivée là-bas vers les 23h là. Il est venu me chercher en voiture. Donc nous sommes rentrés. On est arrivé là-bas. Je dis, il m'envoie dans une grande maison où il n'y a personne dedans. C'est lui seul qui est dans la maison là-bas. C'est comme ça qu'il me suis lavé. Lui aussi, il allait se laver. Donc, quand il était sous la douche là, moi j'ai pris le temps de visiter la maison. Il n'y a même pas de barrage dans la maison. Il n'a que deux pantalons, trois t-shirts dans le placard. Donc il a fini de se laver. Moi je lui ai demandé, mais pourquoi la maison est vide comme ça? Il dit non, comme ils l'ont affecté, c'est maintenant qu'il est arrivé là-bas. Donc il n'a pas encore acheté les bagages, tout ça. Donc il dit, on va aller chercher à manger. Et puis il me dit non, il faut, j'arrive. Il faut me dévancer, j'arrive. Donc moi j'étais au salon, je vois qu'il a lancé appel. Et puis il dit, oui allô, c'est propre, hein? Elle va sortir tout à l'heure là. Donc, faites vite, vite, et puis on va se débarrasser d'elle. Aïe! Tout le monde, j'ai soupçonné les choses. Je suis sortie doucement. Dès que je suis sortie devant le portail, je vois deux garçons, ils sont arrêtés devant à côté d'une voiture. Donc, ils ont commencé à venir vers moi. Tout le monde, j'ai commencé à courir. Les gens ont commencé aussi à courir derrière moi. Je cours, ils sont derrière moi. Jusqu'à... J'étais fatiguée. Je suis arrivée dans une cour là. Je suis rentrée là-bas. Donc je suis allée me cacher. Et il y avait leur douche qui n'était pas fermée. Donc je suis allée rentrer dans leur douche là. Je suis allée m'asseoir là-bas. Et j'ai commencé. Alors, à ce moment, tout le monde dormait. C'est un village. Donc, j'ai commencé à prier. Donc ils sont venus. Ils ont dépassé la douche là. Donc ils sont partis. Donc moi, je suis restée là jusqu'à 5 heures. C'est ça, il y a une fille dans la cour là-bas, elle est partie uriner dans la douche. C'est là qu'elle m'a vue. Donc je l'ai expliqué. Elle me dit, ah oui, il faut faire très attention que le monde est méchant. Donc elle-même, elle commence à l'expliquer un peu. Actuellement, je vous parle, je suis dans la cour là-bas comme ça même. Et puis, elle dit, elle fait vidéo là. J'ai reçu, bah, il y avait mon téléphone qui était dans ma main avec ma perruque. Perruque là, j'ai enlevé. Bah, il y avait porté perruque, c'est ça, j'ai enlevé. Tout chaussure, c'est là-bas, mais je suis pied plat. Regardez mes pieds. Regardez. Pied plat. Chaussure est restée. Quand je courais, la chaussure est restée. Donc, les filles, vigilance. Vigilance. Parce qu'après, à 5 heures, là, j'ai appelé le monsieur, là, sur mon numéro, jusqu'à il n'a pas décroché. Maintenant, j'ai pris le téléphone de la fille qui est dans la cour ici, là. J'ai lancé l'appel de monsieur. Il ne décroche pas. Jusqu'à le numéro, là, même, ça ne passe plus. Donc, j'ai dit à la fille que, ah, j'ai indiqué la maison, comment ça y est là. Parce que je ne maîtrise même pas trop là-bas. Elle dit que, ah, vers là-bas, là, et c'est les gens habitent, c'est un nouveau quartier là-bas. Donc, vraiment, les filles, vigilance. 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 Ok, avant tout, pause publicitaire de quelques secondes.
Et là, tout le monde, nous avons les suppositoires bio pour grossir les fesses et les hanches. Nous avons aussi la crème qui est faite pour grossir les fesses, les hanches et les parties intimes des hommes. Nous avons le thé ventre plat qui casse correctement le ventre et qui est aussi conçu pour l'endurance des hommes. Le meilleur savon noir qui n'éclaircit pas la peau mais qui enlève carrément les imperfections de la peau. Au lait pour grossir les parties du corps et l'intimité des hommes. La gaine disponible pour bien aplatir le ventre et qui va avec le thé. Nous avons les meilleurs baillards parfumés très très efficaces. Vous ne serez pas du tout déçus. Et enfin, nous avons nos beaux bouquets de fleurs qui sont disponibles pour vos grandes et petites cérémonies. Et pour n'importe quelle occasion. Merci de payer la qualité et non la quantité chez nous. Merci. Je dis, les filles, vous avez quoi dans la tête? Quand on dit vous êtes pété dans la tête, là, vous êtes pété dans la tête. Ah, aujourd'hui, quand vous déposez les vidéos, quand je reprends les vidéos, et puis, comme vous ne faites pas bonjour, je viens vous dire votre vrai nom là. Demain, c'est pour venir dire que non, supprimez la vidéo. Et je suis plus dedans. Ça là, Mika de cœur n'est plus dedans. Ça fait plusieurs fois que ça se répète. Mais plus jamais encore quelqu'un va venir encore. Parce que quand vous réagissez sur les choses là, sachez, mettez vos cerveaux en place. Je dis les filles, pourquoi est-ce que votre cerveau là, vous vendez vos fesses, mais on ne vous attend jamais dire que vous vendez vos cerveaux, mais votre cerveau là, ça n'est jamais en place. Pourquoi? Pourquoi c'est jamais en place? Dites-le moi. Je vais comprendre. Malgré que vous ne vendez pas les cerveaux là, mais ça n'est pas en place aussi. Mais c'est quoi? Vous êtes quitté dans quel ventre? Croiser quelqu'un parce qu'il t'a donné 2000 francs, 3000 francs, un jour, deux jours, tu as confiance en lui en même temps. Tu penses que c'est ton âme sœur. En même temps, tu commences à genre le fait truc. Vous voyez où ça en va, non? Vous connaissez très bien votre âme sœur. Mais comme votre âme sœur, vous n'êtes pas capable de l'aider à devenir quelqu'un. C'est la raison pour laquelle vous vous promenez dans les bras des garçons. Truc. Ils t'ont raté un côté de ta tête. Mais demain, ils ne savent pas s'ils vont te rater encore. Écoutez très bien. J'espère que vous avez très bien écouté. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Il dit cette année-là, ils vont diviser tête des gens. Vraiment cette année-là, ça va chauffer.